La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine se calène pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV se calène pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bon Dieu béni, on paye grâce, bon Dieu avec vous. Nous saluons très 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 fort matin, on a dit on paye grâce, bon Dieu avec vous. Mon étude Paul arrive à la caillou avec votre serviteur, pasteur Jean Ténor, dit Rodrigue. Amen. Donc, matin, nous avons un sujet qui est assez intéressant, très très intéressant. Matin, donc, vous êtes capable d'ouvrir Bibou avec moi avant de voir le sujet dans Matthieu chapitre 27. Et nous sommes capables de commencer à partir du verset 44, 45, 46 à la gloire et pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quittez-moi pour une portion et écriture ça pour nous entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Les brigands crucifiaient avec lui, l'insultèrent de la même manière, à savoir Jésus. Depuis la neuvième heure jusqu'à la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabbatani. » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, maintenant, pour nous continuer dans l'étude parole là, à nous faire un petit coup de la prière. Sujet nous gagner, n'a traité avec au matin, c'est le péché. Et jusqu'avant et nous avancer, faudrait-il que nous passer quelques secondes ou une minute dans la prière devant le trône de Dieu. Seigneur, matin, me remercie au mes côtés mis sous sac moi à la matin. M'a jeûné. M'a passé un temps dans la prière devant trône, Seigneur. Moi, je viens de beaucoup de pour moi, non seulement remercier pour la vie, pour le sacrifice à la croix, et merci parce que vous montrez nous pourquoi péché nous a été lou et tellement lu, il te rend tout le monde passer un nombre de temps dans le fait noir. Et nous rendons compte tout Seigneur Dieu, le fait que nous libérer, nous avons pile fait noir qui vient sur route, nous qui rendons marcher dans le fait noir quelquefois, mais jusqu'à là, nous avons toujours aimé nous. Il n'a pas d'autant pris. Quelques-uns de nous-mêmes, Seigneur, qui t'a trouvé nous dans le profond fait noir. Éclairez, voyez lumière sur nous, éclairez-nous. Râlez-nous, venez jouer nous. Rélez-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Merci pour les saluts. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour cela qui a coûté là pour nous amener. Au nom de Jésus. T'en prie. Pas abandonner nous, Seigneur. Parce que nous connaissons où nous en pile. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. Nous avons fait une expérience à travers Cantique ça matin, qui c'est le numéro 55 en créole. Et qui, avant de parler du le péché, Cantique Labral dit, « Ça capable la vie péché, rien passé sans Jésus-Christ. Ça capable guérir tout qu'elle, rien passé sans Jésus-Christ. » Sans qui j'ai passé l'or, qui était dans la mort. N'en prenne l'autre sous son corps, rien passé sans Jésus-Christ. Amen. Pour pardon, moi, ça, moi, ouais. Rien passé sans Jésus-Christ. Pour nettoyer sa mandi, rien passé sans Jésus-Christ. Sans qui j'ai passé l'or. Amen. Qui était dans la mort. N'en prenne l'or sous son corps. Gloire à Dieu. Rien passé sans Jésus. Amen, 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 amen. Ça pour piller des péchés. Amen.
Rien pas si sans Jésus-Christ. Si pas de bons œuvres, moins de faire. Aïe! Rien pas si sans Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Sa bon espoir ak la paix ka nou pa ou le matin rien pas si sans Jésus-Christ sa fait justice moins assez rien pas si sans Jésus-Christ sans qui chez passé la gloire à Dieu qui ouitime dans la mort. Non, prends l'autre sous son corps. Amen. Rien pas si sans Jésus. Rien pas si sans Jésus. Pour nettoyer nous, rien pas si sans Jésus. Pour libérer nous, rien pas si sans Jésus. Pour purifier nous, rien pas si sans Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Paye grâce, mon Dieu, avec vous. Matin, pendant que je suis sous sac, je passe ce moment ça avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Dans parler de le péché, matin. Et mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous tous qui parlons de péché, ce n'est pas moyen de la grâce, mon Dieu. Pas une personne qui digne, qui est capable d'éprouver tête comme un monde qui saint, qui n'a pas fait péché. Nous tous faisons péché. Nous confessons chaque jour. Nous faisons péché chaque jour. Nous avons la présence de bon Dieu chaque jour. Mais ça n'a pas empêché que. Et ça fait ça, mais semble le dire dans le psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Nous faisons nos péchés, maman. Nous quittons là, quittons-nous là-dedans. Cela veut dire que maman nous et papa n'ont pas qu'à retirer nous dans le péché, à ce qui a trait avec le péché, seulement Jésus. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Bon Dieu voulait nous vivre dans la sainteté, dans la pureté. Il fait ça, c'est la raison pour laquelle il fait sacrifice pour y verser ça. Et nous, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à la crucifixion de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 27, verset 44, pendant qu'il a insulté, il a fauché, et sa Bible a dit, les brigands crucifiés avec lui, il y a un brigand, et puis il a insulté, il y a un qui t'a insulté. Et puis, il a pu expliquer, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Il a pu expliquer. Pendant l'autre monde, il a insulté Jésus, il a parlé drôle. Et puis, il a dit qu'il y a un profond fait noir qui arrive sur toute la terre. C'est le prix. Péché tellement lourd, péché tellement fort, péché tellement de puissance. Il réduit. Nous fait noir à travers le monde sous de Jésus. Écoutez que Jésus portait souffrance là amèrement. Il sentit souffrance là physique. Le fait qu'il déprend forme l'homme, il déprend corps. Et Jésus arrivé au moment, bagal a dit du red, il dit papa, papa, pour qu'il soit abandonné. Mais le Seigneur, l'Éternel obligé abandonner parce qu'il est juste, il pas qu'à voir les péchés. Il n'est pas toléré le péché. Il n'est pas d'accord le péché. Même si nous péchons, mais ça n'a pas fait bon Dieu plaisir. Même si nous péchons, ça n'a pas fait que bon Dieu content. Même si bon Dieu remet nous, même si nous toujours faisons péché, bon Dieu toujours remet nous. Mais il n'est pas qu'à ouer nous avec le péché. Oh, maintenant, je vais demander bon Dieu grâce pour la vie. Et moi-même, personnellement, je n'ai pas le cœur, je n'ai pas le courage. Moi-même. C'est ça que fait étude, ça. C'est sous ça que je fais la matière. Parce que personne n'est pas digne pour nous parler des péchés dans une situation côté que pour nous camper comme saint, même si bon Dieu fait nous grâce, t'as fait effort. Pas que personne qui a fait effort sans la puissance, sans le Saint-Esprit de Dieu. Donc, matin, pour nous parler de péché,
Amen. Péché, il sortit dans un thème qui c'est armatia, qui veut dire erreur, faute, doctrine du péché, qui c'est armatiologie. Armatia, qui c'est péché, logos, qui c'est étude ou parole, qui veut dire étude sur les péchés. Parler des péchés, armatiologie. Ce qui veut dire que, mes chers amis, il montre nous que à la souffrance de Jésus, il en tant que Jésus portait toute douleur amèrement. Et d'où le péché séparé nous à la présence de Dieu. D'où le péché, alors péché, prix péché, fardeau, charge péché, à lui séparer nous à la présence totale de Dieu. Avec le péché, nous pas qu'à résister, la présence de Dieu demeure loin de nous. Et vous allez comprendre, mes chers amis, il y a un moyen pour nous capables d'avancer, pour nous jouer une faveur, bon Dieu, grâce, bon Dieu, c'est nous d'accord, confesser nous. Le Seigneur dit, Jésus, papa, papa, pour qui ça va abandonner? Parce que Jésus-Christ, trouvait l'abandon du maître, l'abandon de son chef, l'abandon de son père à cause du péché de l'humanité. Il a payé le prix, il a souffri. Dans ce corps mortel, il a souffri, il a été souffri pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de glorifier le Seigneur et servir le Seigneur et reconnaître le sacrifice les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de reconnaître ça et nous avons besoin de servir, nous avons besoin d'honorer et nous avons besoin de demander le Seigneur grâce chaque jour pour pécher nos faits. Pas qu'à dire aussi pas ne faire péché parce que me connais on a toujours fait effort pour pas faire péché mais on a toujours fait effort on a toujours fait péché même si tu as fermé nos chambres pour compte ou pas gagne monde bon côté ou ça pas veut dire pas faire péché même si tu as gêné tout le temps à quelques fois pendant n'a confessé n'a péché parce que n'a réfléchi à l'autre bagaille n'a pensé à l'autre bagaille l'esprit nous souillé l'esprit nous va l'esprit nous et a fait va-et-vient à quelques fois. L'esprit nous vacille. Ça veut dire péché, même si vous cachez pour lui, nous faire quand même. Mais puis grâce, le Seigneur, rend-nous, c'est que nous avons devant nous, nous confesser. Et maintenant, à travers, à ne pas oublier, vous êtes ici dans l'étude de la parole de Dieu. Si vous avez une solution, là, nous finissons de traiter, nous avons traité pour nous dégâts péché à faire. Péché faire pile dégâts. Même si le péché a été réduit, le monde en fait noir pendant un homme de temps. Donc, on s'est réduit la vie en fait noir devant le trône de Dieu. Il réduit la vie en fait noir face avec l'Esprit de Dieu. Face avec ça, nous gagnons pour nous réaliser. Face avec tant nous gagnons devant les Seigneurs pour nous donner une grâce, bon Dieu. Péché a réduit la vie en fait noir. Il plonge nous dans profond ténèbres. Et le fait que péché a arrêté dans la vie, nous, les non-confessés, ça veut dire une séparation entre nous-mêmes avec Dieu. Nous loin la face de Dieu. Et le fait que nous loin la face de Dieu, nous gommons plus, nous faisons plus d'efforts, nous avons une chance pour nous échouer dans la bataille-là. À quelquefois, bon Dieu cherche, nous le relais, nous, mais ça ne marche pas. Parce que péché a embarrassé Dieu, nous. Donc, mes chers amis en Christ, mes chers frères et sœurs, le péché, c'est malheur. Le péché, c'est ténèbres. Le péché, c'est fait noir. Le péché, c'est dégâts dans la vie spirituelle. Non? Et nous parlons, si nous suivons dégâts péché à faire, péché à rentrer dans la famille Adam, limiter la criminalité, il fait fret, tout est frais. Péché à rentrer dans le monde, lui séparer nous, il fait nous une pas vouloir l'autre, lui séparer nous même avec bon Dieu pour nous faire propre à faire par nous, pour lui retirer l'innocence nous, lui mettre culpable, lui mettre coupable nous, lui mettre nous coupable. Lui retirer humilité nous, lui mettre orgueil. Lui retirer sagesse nous mes bien-aimés, lui mettre brigand. Lui retirer l'intelligence nous, lui mettre égarement. C'est le péché. Donc, péché, il vient rendre même pied bois dans Romain 1er, dans Romain 8, 18, là, pour raconter ça, il dit même pied bois au pays conséquences. La nature, toute la nature, il a payé conséquences, il a payé le prix du péché, parce que péché a commis un pile de dégâts. Si il y a un monde, matin, quand il n'a pas fait péché, il a dû lever mais tout
ça qu'a fait dégâts gon solution. Les difficiles prennent en caille, il y a solution. Il y aurait les pompiers, ils viennent porter de l'eau, l'eau a éteinte. Si de l'eau à la pluie tomber, l'eau a descendre, il fait un pile dégâts, la pluie tomber dans tête, l'eau a descendre, il fait un pile dégâts. Mais elle prend un temps pour le calmer, les la pluie a suspendre. Donc, si vous mettez fer dans du feu a fond de fer, acier, vous mettez le dans du feu, la fond ni. Donc, nous, chaque bagaille, il y a une solution. Mais en même temps, de l'eau, si vous mettez le dans le soleil, le soleil là, l'a séché, l'a évaporé. Mettez le sous du feu, l'a séché. Chaque bagaille a une solution. Mais est-ce que péché a une solution? Oui, mes bien-aimés, péché a une solution. La Bible dit, dans Romains 6, dans Romains 3, 23, tout le monde péché. Ni grand, ni faible, ni sage. Sous tous les points, tout le monde dans la société, nous tous péché. Romains 3, 23. Romains 6, 23, il dit, ça, les péchés, la conséquence péché n'est autre que la mort. Et la mort ici, n'est pas physique premièrement, n'est spirituelle d'abord. Ça veut dire qu'on peut marcher sous des pieds ou mourir, ou qu'on peut fonctionner ou mourir, ou qu'à l'église ou mourir. Mais une fois qu'on a réalisé qu'on mourit, mourir la mort, c'est la mort spirituelle. Et si la mort spirituelle là, pas venue en étant dans les repentances pour retourner, pour retrouver la vie encore, il qu'a produit la mort physique. Et le fait qu'on vienne retrouver la mort physique dans un sac qui n'est pas éternel, on va retrouver la mort éternelle en tout temps parce que ou mourir, ou trouver la mort physique sans la confession de la mort spirituelle. Donc, on va le trouver dans la mort éternelle. Le fait qu'on retrouve dans la mort éternelle, c'est souffrance, douleur, amèrement pour tout temps de votre vie. Mais dans Romains 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve l'amour envers nous. Expression prouver, ça veut dire que il fait des sacrifices pour montrer nous que réellement et complètement que le remet nous. Il y a des preuves d'amour, il y a des preuves que le remet nous. À sa foi, à ce qu'il y a à travers Jésus-Christ qu'il nous a donné un sacrifice. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous allons jouer dans Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous avons entré dans la phase solution. Tout le monde qui est capable d'échapper ou du péché adamique, faudrait-il que vous épargniez du malheur ça? Faudrait-il que vous confessiez avec bouche que Jésus est Seigneur? Donc si nous parlons de péché adamique, péché Adam te fait, qui te prend nous tous, qui condamne nous tous, c'est des péchés, ça ne t'a pas parlé. Je dis, après, nous finissons pardon à mes bon Dieu. Il y a un péché nous commettre, erreur nous, yo, faute nous, yo. Ça nous fait culpabilité nous, yo, iniquité. Nous transgresser la loi de Dieu, ça veut dire nous violer la loi de Dieu. L'elle dit nous pas fait tel bagaille, nous fait. L'elle dit nous pas aller tel côté, nous aller. L'elle dit mes commandements, mais ça pour nous, on doit respecter. Nous pas respecter, yo. Ça, c'est le péché qu'a produit dans la vie nous chaque jour. Le péché n'est pas seulement adultère. Le péché n'est pas seulement orgueil. Le péché n'est pas seulement mensonge. Mais le péché, c'est tout ça qui est contraire à la parole de Dieu. Mes chers amis. Donc, vous voulez jouer une solution? Oui, vous voulez jouer une solution. Solution, je n'ai dans la repentance. Et sous besoin de une solution, même Jean, le Seigneur t'a trouvé dans l'abondance. Dans l'abandon, parce que péché a découvert l'inette. Et bien, maintenant, nous avons dit que le Seigneur Jésus voulait réconcilier nous encore avec le Seigneur parce que péché te mettait nous loin. On nous allons dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 18, pour nous voir qui ça l'a enseigné nous maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Ça veut dire, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers bien-aimés en Christ. Donc, le Seigneur l'a orienté dans le verset 21 pour le dire, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de notre Dieu. Pour finir, je vais vous montrer qu'on a l'air de le Seigneur qui sa Bible a dit pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Qui sa Bible a dit, car je suis jaloux de vous, en parlant de Paul qui a parlé pour le montrer nous, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc ouais, ça veut dire l'air purifié, même si vous vivez, même si vous faites péché, même si vous faites un pile bagaille qui n'est pas bon. Mais là, vous venez le Seigneur, vous venez comme une vierge pure. Quand ça veut dire vierge pure, ça veut dire vous venez retourner, et même j'en ai une femme qui vierge, qui n'a pas de jamais rencontré un garçon. Et bien finalement, il y a les gens qui ont une femme qui vierge. Et bien ça veut dire, c'est même gens tout, l'on vient joindre le Seigneur, ou vient refaire, ou vient gagner une vie nouvelle. Matin, on voulait accepter le Seigneur, on voulait servir le Seigneur. Matin, on voulait confesser le péché. Mais ça qui gagne un péché, ça qui est toujours drôle, c'est ça qui est capable de passer le temps dans le péché. Ou confesser le péché, ou confesser le péché, mais on toujours à faire. Ça, il est vraiment dû. Même conseiller ou même qui n'ont espace comme ça matin, toujours prier le Seigneur pour le retirer. Toujours prier le Seigneur. Pas écouter sur ça, mon abdi. Il y a des gens qui l'ont pour juger. Il y a des gens qui l'ont pour condamner. Il y a des gens qui l'ont pour faire. Mais le Seigneur ne traite pas nous-mêmes avec les gens traité nous. Il ne garde pas nous-mêmes avec les gens garde nous. Il ne juge pas nous-mêmes avec les gens juger nous. Mais je dis, toujours prier le Seigneur pour créer possibilité pour sortir dans le péché, pour haïr le péché, mais pour aimer bon Dieu plus toujours. D'accord? Il m'a aimé avant d'aller pour m'a aimé au lit. Grande parole, ça n'a pas besoin dans Hébreu, chapitre 10. D'ailleurs, mon livre dans Hébreu, chapitre 10 avec moi, pour nous conclure parole, ça. Chapitre 10, verset 26. Hébreu 10, verset 26. Ça va enseigner nous en quelque sorte la parole de Dieu. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'une feu dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que vous serez jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est juste que tout après, où tu as dit, après, si on monde ou quitte que ou mourit, ou bien ou était vive, ou quitte l'Église enlevée, ou bien mourit sans accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, pas de pardon pour vous. Et même si vous avez dit ou après tant l'église a été enlevée, pas de l'autre sacrifice encore qui a été fait pour capable jouer un pardon pour péché. Donc c'est celle Jésus-Christ. Maintenant, je conseille chacun de nous, captant des études, ça, la prière du Seigneur, pour le Seigneur capable de faire grâce. Je connais que c'est vraiment difficile, il y a un peu de monde qui a écouté là. Je connais que ce n'est pas facile. Nous aimons bon Dieu, mais nous trouvons dans des situations. Nous pas nous toujours fait péché. Nous pas qu'à rester hypocrite ça. Nous fait péché. Et gien bagay n'a toujours fait. Mais m'a besoin bagay. Mandé bon Dieu pardon, t'as dit? Pas écouter ça mon abdi. Aussitôt que mandé bon Dieu pardon,
c'est pour croire que bon Dieu pas donné ou. Mais si toutefois qu'a créé possibilité pour abandonner ça ou vivre soit mandé pardon pour lui, c'est encore plus bon parce que si on mourir là-dedans sans pas gétant mandé pardon, il y a chance pour pas sauver. Mais m'a dit ma fille, l'aime dou gè chance pour pas sauver, pas gè chance non ou pas sauver. Ça veut dire mes chers bien-aimés en Christ, le fait que c'est étude, c'est enseignement, moi là pour que bon Dieu bénisse.